Alors le site 5 euros, beaucoup de youtubeurs qui vendent des formations bidons vous font croire qu'avec ce site on peut gagner de l'argent. Alors certainement on peut en gagner. Je me suis inscrit, ils demandent beaucoup d'informations Salut, c'est Théo, personnelles. bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer trois stratégies Ta différentes. gueule! Je me suis inscrit, ils demandent beaucoup d'informations personnelles, le passeport, etc. et tout le bordel ou la carte d'identité, l'adresse et tout et tout. Et c'est tout bidon. Pourquoi c'est tout bidon? Parce que quand on propose le service qu'on va proposer, la plateforme va voir s'il y a déjà des services similaires. Et si c'est le cas, ils vont vous dire il y a trop de services similaires. En gros, on peut pas mettre votre annonce parce qu'il y a trop de services similaires. Voilà pourquoi, à mon avis, ça marche plus vraiment. Est-ce que depuis que moi j'ai fait l'essai, il y a plus de, je sais plus, il y a plus de 6 mois ou 9 mois, est-ce que ça a changé leur politique ou pas? J'en sais rien. Ou alors est-ce que j'avais pas les bons mots-clés? En tout cas, je proposais des offres au niveau bien sûr informatique et ça n'a pas voulu prendre l'annonce. Alors j'ai fait qu'un essai parce que c'était pour tester un peu. Ça m'a pris le chou. J'ai réussi une deuxième fois, j'ai remodifié les termes, remodifié un peu le service et ça marchait pas non plus. La conclusion c'est que les youtubeurs qui vous vendent soi-disant des formations, comment avoir des business en ligne, très souvent c'est globalement saturé. À moins que vous ayez vraiment une bonne idée de produit, il y aura peut-être une chance que ça fonctionne. Mais n'allez pas dépenser en tout cas des centaines d'euros dans une formation qui vous dira comment obtenir, comment faire de bons business, parce que c'est trouvable gratuitement sur Internet. Donc vous ne faites pas avoir là-dessus.